Après deux ans d'absence dans la vie de Julia Paredes et de leur fille Luna, Maxime, le papa biologique, est revenu. Pourquoi a-t-il abandonné pendant autant de temps la mère de son propre enfant Est-il prêt aujourd'hui à assumer son rôle de père Les parents sont-ils dans l'optique de se remettre en couple Aujourd'hui, la maman et le papa sont réunis pour une interview en toute intimité. Alors je crois que c'est moi le plus gêné pour cette interview, ça me fait super bizarre parce qu'avec mmh. toute ma communauté de plus d'un million de, de, de membres, on a suivi toute ta vie, Julia, depuis maintenant plusieurs années. Tu nous as parlé bah, de, de la naissance de ta fille, j'étais là alors qu'elle venait de naître depuis cinq jours et aujourd'hui mmh. bah, je suis avec toi, Maxime. Donc vous l'avez compris, le papa de Luna euh, qui est revenu dans la vie de, de Julia Paredes et qui va pouvoir nous expliquer bah, pourquoi, comment. J'ai plein de questions, je sais pas par quoi commencer. Alors déjà comment vous <laughs> ça vous va, ça va bien se passer. Maxime, t'es pas trop stressé Ça va, on va essayer. <laughs> ouais. Il est avec moi donc ça va. Dans, dans, ouais. Comment vous vous sentez là C'est pas trop bizarre pour vous On a pris le temps de de s'adapter, donc ça va, c'est pas comme si on se retrouvait devant bah Pour nous, c'est pas bizarre parce qu'il y a toujours eu cette alchimie et tout, tu vois, donc... Euh, non, ça va. Bah de euh, se retrouver se en fait interview comme ça. Oui, oui, bien sûr que de se retrouver devant toi, alors surtout pour moi, alors qu'on a vécu toutes ces choses, toi et moi, que t'es venu chez moi, à la naissance et tout, oui, bien sûr que ça me fait bizarre. Mais euh, bon, moi, je suis la plus heureuse aujourd'hui. Bon, en tout cas, suis je suis content. À... Voilà, je suis super content parce que je pense à, je pense à Luna, mm -hmm. je pense à votre fille, je pense aussi à vous, bien sûr, et je me dis que c'est une belle histoire et on va ensemble découvrir cette histoire. Comment vous vous êtes retrouvés Comment vous en êtes arrivés à vous retrouver comme on vous voit aujourd'hui mm -hmm. Vous avez l'air très amoureux. Mais je vous propose qu'on commence par le <laughs> commencement. Euh, Racontez-moi un je petit me... peu bah, votre, votre première rencontre. Comment ça s'est passé Vous vous souvenez Ça s'est bah, rencontré euh, voilà, alors, ouais. euh, au salon du fitness. Donc euh, j'étais avec mon ancien sponsor euh, au salon du fi fitness. À Paris, ouais. Et moi, bon, en fait, on bossait tous les deux là-bas. Et euh, franchement, il a suffi. Euh, ben moi, j'étais en tant qu'athlète euh, au stand. Voilà, et moi, je là travaillais pour euh, tiens, en aider, tant aider le staff et tout ça. Et là, tu t'es dit, mon Dieu, c'est comme non mais, est... non, mais moi, non sais mais c'est Non, mais je te raconte pas. Moi, je l'ai vu, j'étais avec ma copine non, mais... euh, qui bossait avec moi. J'ai fait, c'est quoi ce mec Ça, c'est le père de mon enfant. Ah, non, mais j'ai dit, c'est quoi ça Et forcément, mais... non, mais euh, franchement, On, a, ça a, on été... a eu un feeling de fou. Ouais, tout de suite. La journée. On et se là. regardait, il y, y avait vraiment un truc dans les yeux, tu vois, dans, dans les gestes. Enfin, franchement, on était vraiment très proches tout de suite, alors qu'on se connaissait pas. Elle était collée à moi. Toute la journée. Et, <laughs> et tu la connaissais, toi, Maxime Tu l'avais déjà vue un petit peu à la télé Jamais. Tu regardais la télé-réalité ben Non, parce qu'en fait, ouais. on, quand j'ai dit bonjour au, au staff, à tout le monde, je dis Bis, salut. Elle ben, s'est présentée. C'est après, en fait. Moi, euh, je préfère, d'ailleurs, quand on ne me connaît pas. Et c'est ça aussi ben qui En fait, je ne regarde pas trop la télé-réalité, donc je ne connaissais pas du tout qui c'était. Et c'est après que j'ai su. Alors, c'est écoulé combien de temps mmh. avant que Juliette apprenne qu'elle était enceinte Quoi, le temps qu'on est qu'on est restés ensemble, oui, tu tout parles Tout à fait. Bah, on s'est mis ensemble en mars. Le salon c'était en mars. C'était en mars, à avril, tu... mais en juin. Ouais. Trois ouais. mois. Très peu de temps. Trois mois. Ok. C'est trois mois. Ces ensemble trois ensemble. mois. Vous les avez vécus comment <laughs> J'ai vite emménagé chez lui. Ah, c'était du rapide on avait oui. on avait euh, du coup en fait on s'est rencontré dans ce dans mon milieu sportif euh, et donc moi j'avais des compétitions à, à faire et tout ça donc on a, on a bien on a négocié à ce qu'elle m'accompagne dans les voyages à me mmh. filmer puisque elle aime ça enfin au niveau caméra tu elle gère bien ça, je sais voilà elle gère bien donc du coup euh, on a de suite euh, donc elle est vite venue chez moi bah, pour que euh, m'accompagner dans mes compétitions puis au final on avait envie puisque euh, on, de démarrer ça avec ce petit coup de foudre, ouais, je, je suivais dans le tout et C'était pas de un perdre. problème, c'était pas un problème pour elle, donc pourquoi pas tenter le, le truc? Alors, je sais que ça va être compliqué, peut-être pour vous à expliquer, mais je peux pas ne pas vous poser la question. C'est la question fatidique que tout le monde se pose. Euh, à quel moment, Maxime, euh, Julia t'a appris qu'elle était enceinte de toi? Et est-ce que tu peux nous expliquer? Le où on se lâche les mains. On a tout suivi, on a envie, le où on a je en envie de faire. savoir, et moi le premier. Euh, <laughs> C'est peut-être toi qui va expliquer, non Alors, oui. qui commence à expliquer ce qui s'est véritablement passé oui. Est-ce que, est que déjà on a tous les tenants et les aboutissants Alors, moi je vais t'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on qu a... a tous les deux nos torts. <laughs> ok. Surtout <Oui>. elle. <rire> <rire> ok. Non, mais je vais t'expliquer parce que tu sais que moi j'ai toujours été honnête dans toutes ces interviews et que ça me pose pas de problème de le dire aujourd'hui. Même si à l'époque, c'est vrai que j'avais beaucoup de haine parce que bah, je vivais une, une situation. Qui est, qui est censée être merveilleuse et je la vivais seule. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai fait une émission. Mmh. Euh, j'étais avec Maxime à l'époque. J'ai fait une émission, j'étais un peu voilà tarée dans ma tête. Je savais pas tournage. trop. J'étais voilà, Je partais en tournage. La production m'a poussée à faire certaines choses que j'ai acceptées. Euh, et je me, En gros, je l'ai trompée. Je me suis mise avec quelqu'un là-bas. Je ne vais pas dire la per... qui est cette personne. Et euh, je suis revenue, j'étais vraiment paumée, complètement paumée. Et je me suis dit mais j'ai un retard de fou qu'est-ce qui se passe et en fait quand j'ai fait les tests etc je me suis rendu compte que j'étais enceinte et c'est là que je lui en ai parlé et moi j'étais anéantie en même temps j'étais mais je savais déjà que tu m'avais trompée ne l'oublie pas oui je savais déjà parce avait que tu ça su, Maxime. Les je suis sur les articles dès que quelque chose se passe on le sait je en fait. sais très bien on est en tournage donc je savais déjà qu'elle m'avait trompée quand elle m'a retrouvée tu lui en as parlé avant qu'elle me parle de quoi tu lui en as parlé avant que tu ah, saches que avant que tu saches qu'elle attendait ton enfant Okay. Qu'est-ce que tu lui as dit quand tu as découvert que cet terminé, adultère Que c'était terminé ouais. Dans ta tête, dans quel état d'esprit ouais. tu étais Et après, tu, tu squattais, tu squattais, tu... parce qu'au fond de toi, tu que tu savais des choses. Mais okay. moi, pour moi, je voulais plus. Et tu me disais aussi que tu ne me trompais pas. Tu jouais peut-être sur le fait que je ne sache pas 100%, mais au final, moi, pour moi, je t'ai dit tu m'as trompé, on arrête. Après... Et là, tu ne lui avais pas dit que tu étais enceinte non, mais moi, je ne savais pas. Ah, tu le savais moi, pas. Moi, je suis rentrée de tournage en tournage, je ne savais pas que j'étais enceinte. Si je l'avais su, je me serais barrée, je te dis la vérité. Je oui. me serais barrée. C'était ma famille avant tout, enfin, mon enfant. C'est vrai que j'étais paumée dans ma tête, et ça, c'est vrai. Mais en tout cas. Euh... C'était mon enfant avant tout, donc si je l'avais su, je serais partie. Donc là, c'est une histoire que vous me racontez, somme toute classique, qui arrive à beaucoup de couples. Vous vous rencontrez, oui, euh... c'est passionnel, au bout de trois mois, bon bah il y a une tu petite escapade, il y a une aventure qui se passe de ton côté, Julia, tu la prends, tu ne l'acceptes pas, ça arrive à beaucoup de couples. Ah ouais, bon, bon, enfin, bon. là tu tombes enceinte et tout. Voilà. Ben, ça, vois, non, ça c'est euh, plus atypique. Ouais, ça, Mais même moi, moi, je jamais dit c'est... Et non... encore plus atypique du fait qu'elle soit malade. Oui, voilà. Oui, enfin, attends, qui met encore plus d'endométriose, de... qui ouais. met encore plus de dilemmes dans la situation. C'est vrai que moi, je les accumule. Hein. Je ok, les alors les accumule. à quel moment, Julia, as su que tu étais enceinte Première question. Deuxième question est-ce que est c'était une évidence que c'était de Maxime Et voilà. troisième question euh, est-ce que as... comment tu lui as annoncé Alors moi, je l'ai su déjà quand j'étais dans, dans l'émission. Je me suis pas du tout rendu compte que j'avais du retard, pas du tout. Tu sais, j'étais pris dans le truc, dans le tournage, dans les défis. Dans les... Je ne m'en suis pas rendu compte. Quand je suis rentrée, que voilà, j'avais fait euh, ce que j'avais fait là-bas, enfin, je m'étais je mise avec quelqu'un d'autre, et du coup, je me suis dit, mais je vais lui en parler. Et là, je me suis dit, mais attends, t'as pas oublié un truc. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais du retard. J'ai fait les tests, j'ai été faire les prises de sang. Et là, j'ai su que j'étais enceinte. C'était il y a quoi On va dire peut-être 4 jours après être rentrée du tournage. Et là, je lui ai annoncé, euh, j'étais pas bien. Donc, mais à... Il savait déjà qu'il qu y avait eu adultère. Voilà. Ok, comment tu l'as pris, Maxime, sachant ouais, euh, l'historique Très, très mal. C'était difficile. Très mal, ah, mais, mais un le fait qu'elle m'ait. Euh... Non, le fait qu'elle t'ait trompé, on a oui. compris que tu le savais. Ah donc, non, non le fait qu'elle m'annonce ça. Le fait qu'elle t'annonce bah, après bah, que apprennes bah, qu'elle t'ait bah, trompé, bah, bah, qu'elle était femme Déjà, elle n'en voulait pas, En fait, moi, quand je l'avais rencontrée, moi, je veux, j'ai toujours voulu des enfants. C'est juste qu'au moment où on s'est rentré, j'ai dit, je préfère déjà pas tout de suite, puisque déjà, il faut, ça, on prend du temps. Quand on fait une oui. relation, on ne fait pas un, un bébé en deux, en deux mois de relation. Donc déjà, premièrement, et puis dans, par rapport à la période, je préférais un petit peu attendre un an, un an et demi ou deux, pour, euh, bah, par rapport à ma carrière sportive, tout ça, je ne me sentais pas prêt. Donc euh, après, elle quand elle m'a annoncé ça, euh, je lui ai dit que ce bah, n'était pas une surprise. Hein, ça, on en avait déjà discuté euh, dès le début de notre relation, que j'en voulais, mais peut-être pas tout de suite. Donc après, euh, quand elle m'a annoncé ça, j'ai dit, bah, tu sais que moi, je ne me sens pas prêt et de toute façon, tu m'as trompé. Donc vous aviez rompu en plus. Donc je, je veux, moi, pour moi, je ne veux pas que tu le gardes cet enfant puisque ce n'est pas, pas normal. La situation... Bah, on, tu devais être dans la colère Voilà, dans la colère de la tromperie, dans la colère de, de, de tout ça. Enfin, moi, pour moi, euh, il ne fallait pas qu'elle le garde. Après, il y avait ce... ce Donc problème. tu lui as demandé d'avorter. Ben ah oui, oui, voilà. Puisque okay. nous deux, ça allait être terminé. Mais tu m'as même fait croire des choses nous que j'apporte et que tu m'as fait croire que tu voulais rester avec moi, qu'on allait en refaire un mais, mais nous deux, c'était terminé. Donc, oui, du coup, mais c'est ce Après, dit. quand elle me dit qu'elle avait euh, sa maladie, c'était pour moi sa seule excuse valable. L'endométriose. Et, et c'est pas des moindres. Donc en fait, tu empêches une femme de tomber enceinte. Voilà, ensemble, donc en c'est peut-être un difficulté. miracle pour elle. Mmh. Donc je respectais ce, Je pouvais respecter ce choix, mais uniquement dans ces cas-là. Honnêtement... Donc euh, toi, ta volonté, Maxime on le comprend peut-être un peu plus aujourd'hui, était de lui demander donc d'avorter parce que tu apprenais qu'elle t'avait trompé, donc tu ne te voyais pas de devenir papa. Pour toi, la relation était terminée. C'est dommage. Moi, j'ai toujours eu cette image de, de, de mon premier enfant. Je me suis dit, je vais être avec la mère de mes enfants. Ben, C'est bon maintenant. Et tous... Oui, mais attends, on en est, on a, il veut qu'on parle du passé, malheureusement. Euh, même si aujourd'hui, on n'a plus de rancœur. Et, vous, et on va, et on va, on y, va venir. y venir. Moi, j'ai cette vision de d'être avec la, la mère de, de, de voilà. Et toi et, si on commence par un mm -hmm. une escapade un peu voilà, ça ça part mal enfin, bah, Ça bon, c'est un petit peu ta pas pas bon. des et choses. surtout que je ne voulais pas maintenant. Mais Après, moi je, attends, moi je le voulais pas je sais, maintenant je sais, je sais. et que surtout que je savais Oh tout, quand même tout. hein. Ça a toujours été ton ça, mais, rêve Bien sûr que ça a quand, toujours été mon rêve parce qu'à à, à, l'âge de, ouais, à de que 20 le... ans, on m'a toujours dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc bien sûr tu que, que, que j'avais ouais. une part dans ma tête qui c'est un rêve pour moi d'avoir un bébé. Donc, je savais que la situation n'était pas propice à faire un enfant maintenant, mais moi je me suis dit, étant donné que je suis malade, il est hors de question pour moi d'avorter. Même si je vais me retrouver seule, et ben tant pis, je vais être forte, je vais l'élever seule. Ok, j'ai fait des, des conneries, mais c'est pas grave, je, je vais les assumer. Et je... Donc pour toi, il était hors de question Que j'avorte, oui, moi oui. De mettre fin à cette grossesse Ah oui. Ok. Tout en sachant que la relation était terminée oui. entre vous Oui. Ah oui, je te dis, moi je savais que j'allais être seule. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Alors oui, forcément, je, je m'imaginais pas tout ce qu'il y avait autour. Mais, mais oui, pour moi, non, je ne pouvais pas avorter Ok. Parce que la plupart des personnes ne savaient pas pourquoi tu avais coupé les ponts. La plupart bien sûr, bien la, la plupart des gens pensaient que tu avais moi, renié cet enfant. Oui, bien sûr. Mais après, moi, je ne suis pas trop... Moi, je, ma, je, mes réseaux sociaux, c'est vraiment le sport. Pas ma vie privée. Et elle a dit ses arguments. Après j'ai laissé couler, mais elle avait, la, elle avait la haine, on peut comprendre, euh, même si c'est un peu de, tous les deux, on avait tous les deux nos torts. Euh, donc au final euh, j'ai laissé dire ce qu'il y avait à dire et j'ai une moi, question je, je pour me suis toi, pas prononcé, oui. Maxime, que je me suis toujours posé, tu sais au fil des interviews qu'on faisait ouais. ensemble, bah, avec toute ma communauté qui a suivi toute ton histoire, toute votre histoire. Euh, Est-ce que tu regardais ces vidéos Est-ce que tu regardais nos interviews Est-ce que tu as quand vu quand, m des quand choses. je suis allé la voir non. et que votre fille avait 5 jours Tu m'avais envoyé des messages, des choses. Ouais, j'essayais de lui envoyer voilà. moi des messages. De, mais après, tout ce qui venait de l'extérieur, non, mais avant, je ne t'avais pas bloqué de suite. Mais okay. euh, tout ce qui venait de l'extérieur, je ne regardais pas. Pourquoi J'ai vu des photos, mais c'était toi qui me les avais envoyées. Ah non, tu je croyais que je les voyais bloqué. pas, mais je les voyais. Mais tu étais forté. Par mail, je n'avais que la solution du mail. pas de partout. À chaque fois, tu trouvais des méthodes. Moi, bah, 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 je, je suis, suis persévérante. Tu... <laughs> mais tu étais forcément tombé sur une vidéo. Est-ce que tu avais vu cette, cette interview dans la... où Luna venait de naître depuis cinq jours Non. Non Non. non. Je... Dans ma tête aussi, je me suis même posé la question. Oh, euh... bah, non, mais attends. Je me suis dit peut-être qu'il est, est peut-être même pas de moi. Pourquoi il serait de moi tu t'as qu'à la regarder. Donc j'ai préféré. Non, mais le bébé, c'est un bébé. Maintenant, <laughs> elle a grandi un petit peu. Ah oui. Mais ce que je veux dire, ouais. euh, dans ma tête. Non, il pensait il que moi. Enfin, non, mais ça ne sert à rien d'entrer en détail. Non, mais parce que ça, il m'a posé comme question ouais. tout à l'heure ouais. à laquelle je n'ai pas répondu. Je suis sûre à 1000%, 2000% que c'est sa fille. Bah, toi, c'est normal, pas si pas tu été... le sais, mais moi, je peux le savoir. Non, mais bien sûr, mais il m'a posé la question tout à l'heure. Je n'ai pas été voir ailleurs. Pendant que j'étais avec lui, j'étais avec lui. Il n'y a pas de. Enfin, franchement j'étais enceinte de lui, il n'y a, a pas de doute à avoir. Donc quand il m'a dit ça, moi, ça m'a vexée aussi parce que... Bah non, j'ai... Ça t'a braqué Bah oui, ça m'a braqué, ça m'a vexée. Je sais de qui je suis enceinte quand même, j'ai un... Mais ben moi, j'ai le droit de ne pas savoir. Oui, ben alors, euh, arrête de... <laughs> non, mais maintenant, mais je te parlais d'avant, ouais, hein, On parle ouais, d'avant. Oui, là, oui, on parle d'avant. Par rapport à la situation. Ouais. Ta fille, tu l'as pas reconnue tout de suite, forcément ah ben là, pour l'instant, on est dans une phase de. de c'est le commencement. Commencement de tout. Là. Au, mais au moment de sa naissance, il y a 18 mois Ah non, ben non, j'avais coupé les ponts avec Julia. Et je me suis dit dans ma tête, elle, elle a son, sa maladie, elle, elle veut un enfant, être maman seule, comme beaucoup de monde, beaucoup dans, dans le monde, hein, qui mmh. font appel à des géniteurs ou autres. Mmh. c'est son choix. Elle a respecté le mien, donc je me suis dit ça pour commencer. Mais ça fait mal quand même. Ça quand fait mal. Faire à mesure que tu te dis, ah, ok, je l'avais accepté. Non, mais pour moi, aussi, à je l'avais accepté, alors, oui. mais au fur et à mesure, euh, quand tu, tu vis toutes les choses toutes seules et que tu vois autour de toi, en plus, j'avais plein de copines enceintes en même temps que moi, et que j'ai vu mes copines avec leur mari, tu vois, ouais, la main ouais. sur le ventre, et, tout. et ben moi, ça me faisait mal. Bah oui, des mais j'avais mal. Mais tu as eu des moments, Maxime, où tu te disais, ah tiens, j'ai. J'ai ma petite fille. Mais ça a été euh... dur pour moi parce que beaucoup de gens, euh, en plus du fait que euh, on n'avait que sa version, bah, les gens me posaient des questions. Et oui, et ta euh, famille Ça a été dur, ouais, non, ça n'a pas été une période facile. Tu as pour été moi. entouré par tes proches Qu'est-ce qu'ils te disaient Qu'est-ce qu'ils te conseillaient Sa mère même pas. Non, tu dis des bêtises. C'est normal qu'une un, mmh. mère, un père. Une... Ouais. C'est pas pour défendre, de je me fais pas l'avocat du diable, mais une maman. Normal elle voit elle son fils, elle se, se dit, mais comme toi. tu vois, elle ne te connaît pas. Je ne pense, pense pas que ce soit tellement sur toi, vers toi. Elle ne vu voir qu'une fois en plus. Oui, mais elle a vu des photos de Luna, je lui envoyé des ça photos. Ça n'a rien de à voir, ça. Euh, elle t'avait vu qu'une fois, euh, oh. la relation était trop fraîche. Euh, pour une mère, elle défendra toujours son enfant. Donc que ça, c'est Au pas... même titre que toi, tu Au le feras pour euh, plus tard, je suis persuadé, tu vois. C'est le lien, une maman, tu le sais, c'est inexplicable. Euh, et elle a, elle t'a pas manqué de respect. Hein. Ne, ne, mm. Ça sert à rien de parler de ça, de toute façon. Non, bien mm. sûr, mais après, c'est parce que ça, je, ça peut se comprendre. Oui, oui, Vous n'avez oui. pas vécu une situation facile. c'est pas ouais. une, une situation On banale. On essaie de ne pas en parler, de ne pas revenir dessus, mais c'est... Je, moi, moi je sais qu'à l'avenir bah, il y aura des petits moments qui vont ressurgir. C'est normal. Même si on, est, on sait qu'au fond, moi, où, je, moi, bah, on si est fait suis... pour être mais ensemble. Ce qu'il faut mais... savoir c'est que moi si je suis revenu, c'est... Enfin par rapport à toi, moi si j'ai décidé de me remettre avec toi, c'est oublier tout ça. Mmh. Tu vois Le, La rancœur de ce que tu as pu me faire, etc. Euh, donc on aura. Moi je pense pas. Le aurait... fait que vous soyez là, je pense que c'est une ouais. preuve indéniable. Il y a ouais. même pas besoin de parler. Je... Vous êtes ensemble. Ouais, 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 tu ouais. vois, c'est ce qu'il faut retenir euh, ouais. Et alors parle-moi parle maintenant, Maxime, de ce moment où tu as, as eu ton déclic et où tu as eu ce, ce besoin de reprendre contact avec Julia. Et pourquoi tu l'as fait Est-ce que c'était pour Julia, voilà, ou pour ta ouais. fille ben, C'était pas facile pour moi. Puis euh, le... j'arrive quand même à un âge où forcément on se dit ben, j'ai pas d'enfant quand même. Enfin, j'en ai pas. On se pose cette question-là quand même. Je me dis, je, je pourrais avoir un enfant à, à mon âge, ça serait bien. Et donc je me suis dit, ben, c'est vrai que j'en ai quand même un, peut-être. Peut-être, mais il va se prendre une baffe. <laughs> donc je me suis dit, je, je, je dois reprendre contact avec Julia pour Luna. D'accord, donc la motivation était ta fille D'abord, je ne voulais pas du tout. Mais il ne voulait pas se remettre avec je moi. Il pas me remettre avec Julia. Tu avais, avais de la curiosité Tu avais avais envie de, de la, la voir, de la toucher J'avais de la curiosité de <laughs> vous de la curiosité. <laughs> Et alors, ça t'a fait quoi Ra Racontez-nous ce moment où tu, où tu l'as vu pour alors, la première fois. Euh, on a fait les choses, euh, on a pris notre temps. On a fait, on fait les choses bien, on, a, on se met ensemble aujourd'hui, on l'annonce, mais on a, on, a on a pris On a pris notre temps. Racontez-nous hein. On bah, s'est racontez bah, revus une première fois. D'abord, on, on s'est vu une Il première fois. Il m'a contacté pour Luna. Pour Luna, voilà. Ouais. Que pour Luna. Il va être comme ça. Ouais, mais moi, j'étais trop stressée. J'en pouvais ouais, plus. Parce que moi, en plus, j'étais euh, célibataire. Enfin, c'est hein. mis sur son 31. Non, c'est pas vrai. Une parfum. Euh, totale. avait même pas mis de talons, rien du tout. Grand hein. jeu. Non, c'est pas vrai. Maman parfaite. Je suis ouais. comme ça. Non. Euh, on s'est revus pour discuter. Et moi, pour lui donner ma, mon point de vue. Et lui dire que, que ben, voilà, ce qu'elle a fait, euh, elle s'est très bien débrouillée, etc. Enfin, voilà. De son côté, euh, c'est très bien. Tu lui as Dit que ça, ça me dérangeait pas de, 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 de revenir dans sa vie pour Luna mm -hmm. pour qu'elle ait un papa, ok. Mais là, et il a après, a et eu après, et, et là, c'est <laughs> le début de la discussion. C'est le début de la discussion, mais c'est vrai que quand je l'ai revue, j'ai pas été un enfin, c'est comme, comme si c'est reparti comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Coup de foudre à nouveau, non, mais, mais en, en fait, comme s'il n'y si avait rien eu, c'est fou ça. Vous vous êtes vu comme parler, parlé comme si y avait rien Vous vous êtes vus, ça vous a fait quoi Rien. Enfin, euh, bah, rien, pas de. Non, mais comme oh, s'il vous avait pas rien. eu ce truc. Rien. Ouais. Et il y avait toujours de l'attirance, de oui. l'envie, le... du désir. On en a toujours. <laughs> mais oui. Donc, en fait, on s'est revus et euh, c'est comme le premier jour. Genre, euh, il me regardait avec des yeux tout pétillants. Moi aussi. Enfin, j'arrivais pas. À... Tu vois, j'étais un peu mal bah, à l'aise. C'était qu quand même euh, exceptionnel. Ouais, non, mais vraiment. C'était fort. Ben oui, Non, mais parce qu'on qu aurait pu se revoir, discuter de ce problème, et euh, eu et de la situation, envie, et se dire, oh ben putain, heureusement que je ne suis plus avec. Enfin, ou des, ouais, on peut peu peu se dire, voilà. putain, comment j'ai fait que, pour... Et euh... que ça vous réconforte dans votre situation. Ouais, ouais comment, voilà. Ouais, ça me réconforte. Ça. Euh, euh, comment j'ai fait pour m'être avec elle ou ouais, Putain, Et là, non, ça n'a rien à voir. On s'est tout de suite Et donc, vous vous êtes revus la première fois, sans la petite ah oui, c'est ouais, euh, important pas... pour vous d'abord de créer ce bah, un, contact. C'est important pour nous de discuter de tout ce qui s'était passé parce que faut savoir qu'on s'était pas, on n'avait ouais, ouais. pas eu de contact depuis deux ans. peut-être que c'est ce qui a fait que des fois, euh, mmh. finalement, euh... ça, on n'avait pas eu de contact depuis deux ans. Je pouvais pas le contacter, euh, il m'avait bloqué. Et ça, c'est vrai, tu m'avais bloqué. Ouais, ouais, Bref, on pouvait pas se contacter. Donc là, on avait besoin de discuter de tout, tu vois, les rancœurs, mmh. comme comme on vient de parler là, là voilà, ta, ta... De, de de tout parler. On avait besoin de parler pour Luna, mais c'est vrai que quand on s'est vu. On, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, ni lui mmh. ni moi. On ne s'attendait pas à repartir, à, à se voir comme ça et retomber. Euh... À ce qu'il y ait cet effet aimant. Oui, vraiment. Entre vous. Et puis voilà, depuis. Et alors, quand a eu lieu la première rencontre avec ta fille, Maxime euh, Ben là, c'était il, il y a quelques semaine. jours. Il y a une semaine. Je suis on sait quand mon... même, pour être sûr de ne pas faire. de bien. faire les choses. De bien faire les choses et de. Bah de savoir si c'est vraiment pour Luna, si c'est pour nous, enfin un tout. On s'est quand même revus nous deux avant, pour savoir est-ce ah qu'il y a oui. quelque chose entre nous, ou, je suis, ou on va juste, c'est -ce euh, que, ouais. que pour Luna. Nous, on voulait vraiment être Nous, on sûr voulait de... des réponses par rapport Luna, à nous d'abord. Luna, c'était sûr, il, il allait être dans sa vie. Voilà. Mais on voulait aussi savoir. Mais est-ce qu'on qu va, est qu va reconstruire quelque chose nous avant Et donc, on s'est revus seuls. Voilà, avant. on s'est revus seuls. Moi, Et je euh, suis venue quelques jours voilà. passer quelques jours à Cannes avec lui, donc il y a à peu près deux semaines. Et là, il y a une semaine, je suis... non, voilà. il y a quelques jours, je suis ouais. venue... À... Elle, est, elle, elle est venue, on s'est fait... On je suis venue chez, on, chez lui on, pour une confirmé, semaine avec Luna. Ça a confirmé, donc, tout ouais. ce qu'on a... Avant ça, on s'est vu que tous les deux, ça a confirmé le donc. fait qu'on voulait vraiment Re repartir, reconstruire, reconstruire, quelque, reconstruire quelque, quelque chose, chose à trois et pas que... Pas qu'à deux. Voilà. Et après, euh, elle, a, elle, est, elle est revenue très rapidement à... Bah pour les, les le commencement, les présentations. Bah oui, avec Luna. Tu ah l'as préparée un peu, la petite, avant que ah tu ouais. nous dises quelle ouais. a été ta, ta sensation, tes préparé, émotions ouais. quand tu l'as vue pour la première fois Tu disais quoi Alors, moi, j'ai la... Ouais, la chance que Luna le retient tout très vite. Donc, en fait, je lui ai montré une fois, je lui ai montré des photos. Le lendemain, je lui ai remontré des photos en lui montrant Maxime, en lui disant, c'est ton papa. Tu ah ouais. vois, il y a maman, il y a papa. Parce qu'en fait, moi, c'est peut-être bête ce que je vais te dire, mais dans tous les livres où il y a marqué papa, je remplaçais par papi. Sauf que le mot papa, elle a déjà entendu à la crèche, ma nièce appelle son père papa, elle a déjà entendu. Et quand elle disait papa, je disais non, nous, il n'y a pas de papa. Ah, oui. Je disais ça. Et donc là, je lui ai montré les photos, je lui ai dit bah, c'est ton papa, tu as un papa, c'est ton papa, il y avait papa, maman, voilà, c'est ton papa. Et en fait, on avait un chien que j'avais choisi. Oui, on n'a même pas parlé du petit Billy, On a un chien. Que j'avais choisi. Et en fait, j'ai associé le chien avec Maxime en disant, bah tu vois, c'est Papa et le et le chien. Et Billy, mmh. tu vas voir Papa elle le connaiss... et Billy. Elle, elle est arrivée, elle connaissait déjà même le nom du chien. Voilà. Hein. Elle a Je chien lui ai montré deux fois des photos de lui et du chien. Et elle est arrivée, elle a dit, et Billy, et Billy, et Papa, Papa. Bah ben oui, t'as pas trop monté en plus. Hein. Elle a vite retenu. Ouais, elle ouais. Elle t'a appelé Papa. Ah bien. directement. La première fois, elle m'a reconnu des photos. Euh, ouais. En... Elle l'a vu. C'est dingue. Ah c'est incroyable ah, Avec, à travers la vitre fille, et, le, et il faisait nuit. Elle a fait papa comme ça. Ah, oui. À travers la vitre de la voiture, il faisait nuit et tout ça. Hein. Ouais. Ah, ouais. Et toi, on ça est arrivé dans le garage et euh... elle m'a regardé provoqué, comme ça. ça. Elle m'a regardé, c'était marrant ça. Ben, c'était marrant enfin, parce qu'elle a t'appelle papa, papa, c'est un mot qu'on t'a jamais dit. Que... Non, non jamais, euh, ça fait bizarre ouais. Ça fait bizarre. Mais, ce qui mais, était mais moi, marrant, ça m'a fait trop bizarre. Je, je m'étais jamais imaginé que ma fille elle aurait dit papa. Ben oui. Pour moi, ouais. Elle avait déjà dit euh, avec toi, mais sans moi. Ben oui, dit... mais là, de voir la situation, mmh. de me dire... Ce qui était marrant, c'est quand elle m'a vu, du coup, quand elle est arrivée, elle m'a fixé. Mmh. Et ça a duré, je vois, 5 secondes, mais mmh. c'était long. Hein, Comme ça, elle faisait tu les deux travers. <laughs> et, et, là, et là, elle a dit papa. <laughs> Comme ça. Mmh. Ouais, ça t'a ému Oui, ouais, ouais, c'est quand même... Euh, c'est bah, quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et est-ce que, alors peut-être que ma question est bête, mais est-ce que l'alchimie avec ta fille s'est faite automatiquement tout de suite ou est-ce que non, vous êtes dans une falloir. démarche on, est, on, est en, on fait connaissance, on est vraiment dans cette, c'est le, le tout début. Pour moi, même pour elle, je, on est, je suis, je pense qu'elle me voyait quand même comme un étranger, même si elle avait quand même, mmh. euh, elle a très, très vite assimilé. Mais je pense que sur ce début, euh, le premier jour, deuxième jour, mais ça, ça, ça s'est se fait, fait progressivement et là… On, Là, elle a bien. Là, ça va ouais. mieux. Il fait beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que tu sais, Luna, difficile. elle est avec moi depuis 18 mois. Elle est, elle est elle avec toi. moi. Et c'est vrai que quand. C'est pas quelque de chose qui est inné, en fait. vois, ouais, ta question, est-ce que. Est-ce une... est que c'est automatique dans C'est pas automatique. C'est mon papa, et tac, elle le ressent. Moi, je le ressens, ça, se fait... ça marche. Ça s'est pas fait comme ça, en fait. Ça Je pense qu'elle est encore peut-être trop petite que si elle avait. Non, mais je elle dire... le reconnaît, elle, vois, elle, je pense qu'elle sait dans sa tête que c'est ce papa-maman. Voilà. Mais vu qu'elle est, elle est avec moi depuis 18 mois, qu'avec moi, bah là, elle a du mal à aller vers lui toute seule. Oui, et si là, aujourd'hui, on a réussi quand même. Ah peu. oui! Je suis parti, tu vois, on essaie d'instaurer de, des choses parce que même Normal on que ça soit compliqué. Euh, même nous, on apprend à être parents ensemble. C'est pas sûr. facile. Le moindre la moindre séparation, même si elle est dans une autre pièce, c'est elle peut pas. Elle maman, pleure. Maman. Elle... Mais, mais uh, c'est par habitude, elle, elle vit qu'avec elle, donc elle, elle, elle la suit de partout. Elle, tout le temps, elle va pas. Elle la suit de partout, donc décaler qu est est avec quelqu'un d'autre, c'est pareil, ouais, elle, elle elle peut pas. C'est maman, maman, maman. Mm. Est-ce que tu es un papa sur la voie de du bonheur? Oui, je pense que je suis sur la bonne est, est es déjà un... heureux. Est-ce que tu es un papa heureux Dans quel état d'esprit tu es par rapport à votre enfant euh, Mais je voulais dire autre chose. Mais <laughs> tu oui. dis ce que tu veux, tu es bah, chez toi. Ouais, mais, euh, mais il appréhende aussi pas mal intéressé. de trucs. Hein. Qu'est-ce que tu appréhendes bah, euh, bah, Non, mais avec Luna, c est, c est, c est vraiment... Enfin, c'est pas encore trop facile. Donc, il ne peut pas te dire qu'elle est trop Oui, c'est quand même difficile. Est... Elle est très petite. C'est pas… Si elle, comme si elle avait 5 elle ans, elle, elle, elle avait elle 5 ans, euh, papa, et elle le retrouve, et elle sait que c'est son papa, parce que euh, sa maman lui en a parlé. C'est vraiment quand même... Euh, elle est toute petite. Moi, je lui en ai parlé voilà. Depuis, elle, elle, depuis elle peu. Elle, 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 elle s'est parlé quelques mots, mais elle, elle doit avoir la notion, papa, maman, que, que c'est famille. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est bien, c'est pas trop tard du tout, c'est bien. T'avais peur que ce soit trop tard Ça aurait pu être... Enfin, c'est jamais trop tard, mais c'était le bon moment. Je, je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça. T'as eu l'impression d'avoir, j'aime pas ce mot, mais perdu 18 mmh. mois tu, tu... Il, fallait que je... Il fallait que je fasse quelque chose. Ça s'est fait tout seul, c'était en moi. T'as eu le déclic mmh. C'est ça, comme ça. Ok, tu comptes plus les lâcher maintenant Ah ben bah non. Moi, je elle, plus, non, les non plus. Ah ben bah, je vois ça. Elle est comme ça depuis tout à l'heure, accrochée au gros bras de son tactile. Ah oui. <laughs> moi je ne le lâche plus, c'est fini. Tu profites de chaque instant. Bah, oui, vraiment. Bon là. Euh... Voilà, parce a... que c'était pas, pas facile en plus hein, quand même. Parce qu'elle est venue chez moi, moi j'ai juste un, un appartement, c'est beaucoup plus oui, petit, hein. petite, Elle est habituée à, maison, à être dans une maison, enfin c'était... Était en plus on meurt de chaud chez moi. <laughs> non c'est vrai que c'était pas ouais, facile avec la petite, mais on s'est... Plein soleil, ça cogne. Non mais c'est vrai qu'on Parce que euh, on devait dormir dans la même chambre. à trois. Enfin il fait chaud, moi j'ai chaud, elle a froid. C'est beaucoup on de pas mal beaucoup de fois déjà beaucoup. mais je me doute et attendez-vous à avec en plus un, an, un, un, un bébé donc c'était on a même si sur l'éducation et tout tu vois on s'est déjà embrouillé c'est normal, normal. toi normal. ça fait 18 mois maintenant que tu as ta fille dans ta vie toi non. Maxime moi, il faut que tu, 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 tu mais, découvres mais, mais, un petit euh, peu tout ça tu as comme un train de retard donc mais, il faut le temps que tu prennes aussi tu démarre Moi, il faut que tu laisses un peu de tu on a fait laisser. je lui ai dit tu laisses moi avec elle comment tu veux qu'elle me elle me connaisse si tu me laisses pas seule avec elle Je faire tant que tant que tu es là elle va vouloir te rester avec toi il elle n'aura pas le choix. Elle va être avec moi et elle va pleurer. Alors ça va passer. Mmh. Et on l'a fait. Elle a même pas pleuré et une au fois. Au début je voulais pas. Elle a même peur. pas pleuré une fois. Mais en fait je lui ai dit bon je vais faire les courses. Reste avec elle. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée de sa sieste. Il faut que je le fasse même si c'est un peu dur pour même moi si au début. ça fait mal au début. Pour qu'ils se rapprochent tous les deux. Donc, il on faut peut que pas, pas avoir si on n'a pas notre, intimi, notre moment d'intimité. Elle pourra pas. Et elle s'est réveillée. Maman maman. Ben non c'est pas qui est arrivé. Et elle a fait papa et je l'ai récupéré. Je l'ai habillé. Tout ce qu'il fallait, mmh, le goûter, etc. Bon, Et scène, elle elle a pas pleuré gens. une fois. Non, mais je vais te dire une chose. Oui. As, je sais que bon, tu es, es un mec, tu as ton ego un petit peu masculin, machin, tout ça. Tu m'étonnes. Mais, mais tes yeux ne trompent pas. <laughs> tes yeux, ils, 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 ils regorgent de bonheur, ils sont brillants. Ça fait plaisir à voir, vraiment. Moi, je suis heureux parce que c'est une fin positive. On a tout suivi tous ensemble. En c'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique j'ai l'impression d'être dans un Disney. Voilà. Et vraiment bravo Maxime. Non mais ça montre, c'est une belle histoire oui. parce que ça montre que ce n'est jamais trop tard, qu'il n'y a pas de coupable, il oui. n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Peu importe il... la, la situation, la preuve. Hein. Exactement, a, on peut vraiment, tout remonter. Il n'y a vraiment pas de règles en amour. Il n'y a pas de règles en amour. Il n'y a pas de schéma y a prédéfini et écrit. Il n'y a rien. Bon, allez à moi maintenant de rappeler vos réseaux sociaux. Julia Paredes, ils sont inchangés. Hein, ton compte Instagram, oui. c'est Julia dubas du Bas, Paredes du Bas. Off ton snap c'est Julia Paredes 15. ça pue l'amour alors allez-y faire un tour Maxime ton compte Instagram c'est Maxime sympa, le tiré du bas I -F -B -B pro et ton Snapchat je ne l'ai pas trouvé j'en ai pas ah ben bah voilà ouais, non c'est bah voilà tu apparais par contre sur celui voilà. euh, de Julia bon oui. bah merci infiniment pour vos confidences merci, à toi. merci Julia et Maxime de nous avoir offert bah, la suite de, de votre histoire, le fin mot de cette belle histoire qui finit très bien et qui est un, un bel exemple, je trouve, pour toutes et pour tous. On se retrouve très bientôt, vous avez la barre de commentaires, lâchez-vous, donnez-nous votre Pas avis toi. sur cette interview, vous Pas avez le trop. bouton s'abonner pour vous abonner, comme ça ça vous permet de recevoir cette interview directement sur votre tablette et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités et toujours des confidences en toute intimité. Et un petit bisou pour la fin. Oui. Merci. Merci.